La faille, bah, c'est une nouvelle aventure de mon personnage phare, Franck Charcot, et de toute son équipe. Ça se passe en novembre 2021, un peu en fin de pandémie. Enfin, il y a encore un peu de Covid qui traîne. Et surtout, ça commence par un peu une bavure, c'est-à-dire que Charcot et toute son équipe font une mauvaise action qui fait que Charcot est en difficulté. Il y a un de ses coéquipiers qui est vraiment blessé, qui va à l'hôpital. Et Charcot est un peu mis de côté le temps d'une enquête. Mais comme en fait il était en train d'enquêter sur une affaire, il ne va pas lâcher son enquête. Il va se mettre à faire des recherches un peu de son côté. Et il va se rendre compte qu'il va sombrer de plus en plus dans un univers qui est lié autour de, on va dire, de questionnements autour de la mort, de disparition, voilà, donc quelque chose de très labyrinthique et qui va le faire sombrer, qui va le faire s'enfoncer toujours un peu plus, l'isoler un peu plus et plonger un peu dans ce que je fais dans mes romans, dans les bas-fonds de la société. Le thème de la mort, c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis très longtemps. Ça fait partie des grands sujets voilà, qui m'intéressent, avec une dimension scientifique. Qu'est-ce que la mort scientifiquement? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort? Et qu'est-ce qui se passe après le dernier battement cardiaque, après la dernière pulsation, la dernière onde dans le cerveau, avec évidemment ces histoires de personnes qui en reviennent et qui expliquent avoir vu des choses. Donc ça m'intéressait, hein, les fameuses expériences de mort imminente. Et évidemment, donc il y a une enquête policière qui est vraiment liée à cet univers-là. Et après, on intrigue par rapport au personnage. Donc effectivement, dans l'équipe de Charcot, il va y avoir un des personnages qui va être en ce qu'on appelle le coma dépassé, c'est-à-dire le cerveau qui est irrécupérable, qui est mort. Donc, on est censé débrancher aujourd'hui les personnes qui sont dans cet état-là. Sauf que ce personnage, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas pouvoir le débrancher. Et donc, toutes les interrogations éthiques de ce qu'il faut faire quand on est dans des cas complexes comme ça. Donc, ça, c'était vraiment aussi intéressant parce que ce sont des questions vraiment d'actualité qu'on se pose encore aujourd'hui sur la fin de vie, sur ce que le corps médical et toute l'éthique est autorisé de faire sur justement des personnes qui sont dans cette situation. Donc voilà, j'ai voulu traiter vraiment tous les aspects liés à la mort, avec d'autres choses aussi. Que devient la conscience quand le cerveau s'arrête? Est-ce qu'elle existe encore? Et puis tout ce qui a trait au médical aussi. Alors, on est toujours dans un univers aussi très très médical, scientifique. Et donc un sujet, voilà, que j'ai trouvé passionnant, et j'espère que les lecteurs seront aussi passionnés. Le titre est important. Il fonctionne à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que alors la faille, il y a déjà la faille des personnages, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un événement qui fait que les faiblesses des personnages vont ressortir. Donc chaque personnage a une faiblesse, a une faille en lui, et moi j'aime beaucoup traiter ces failles-là et les faire grandir. Il y a la faille qui est effectivement un lieu, enfin en tout cas quelque chose de physique dans ce roman, en rapport un peu entre cette frontière entre la vie et la mort, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont dans des comas profonds, est-ce qu'elles sont encore vivantes ou mortes? Est-ce qu'elles ont encore une conscience? Donc vraiment cet entre-deux. Et puis toujours le rapport à la faille avec les personnes qui justement reviennent aussi de ces expériences, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Voilà, donc c'est vraiment enfin, c'est un titre qui est très important, je trouve qui est très très parlant et qui représente une espèce de frontière finalement entre une faille, une frontière entre la vie et la mort. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire avec un sujet que je voulais traiter, qui est assez délicat parce que c'est pas forcément un sujet gai évidemment, qui est oui, qui alors il y a évidemment une enquête, grosse enquête comme j'aime le faire d'habitude, mais sauf que je pense que dans ce roman-là, il y a vraiment une émotion encore plus forte qui se dégage par rapport au personnage. D'habitude, je fais très très peur dans mes romans. On est toujours dans les émotions du suspense. Le lecteur est toujours dans le stress. Et là, j'ai voulu rajouter un peu des émotions qui font appel un peu à l'espoir, l'espoir, le désespoir, la tristesse, pour jouer, voilà, avec d'autres aussi sentiments qu'on peut avoir justement dans nos propres vies. Et donc, c'est un roman qui fait pas seulement peur, mais qui fait aussi appel à d'autres émotions, qui fait réfléchir évidemment sur des sujets qui nous concernent tous.